Ex-international belge chez les jeunes et ancien joueur de première division avec Eupen, Fazly Kotchabas a mis sa carrière derrière lui et s'apprête à devenir le premier joueur professionnel à vouloir se reconvertir dans l'arbitrage. Très bien, 1-0. Je dois faire comprendre aux joueurs que l'arbitrage est aussi important que le joueur. Parce que sans l'arbitre, on ne peut pas commencer un match. Et sans les joueurs non plus. Et du coup, ça, il faut créer un lien par rapport à ça. À 31 ans, le défenseur central a passé la majorité de sa carrière en deuxième division. Après Eupen, il a notamment transité par l'Union Saint-Gilloise, OHL, Roulers et Virton. Mais aujourd'hui, sa famille est la priorité. Pour ma part, j'ai pas de regrets justement, j'ai que du bonheur. J'assume tout ce que j'ai fait dans ma carrière, même par rapport à mes enfants. Et maintenant, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour moi. Je voulais moi rester dans le monde, je veux dire, professionnel, mais sans être joueur de foot, ni faire partie d'un club ou d'une direction. En réfléchissant comme ça, en posant la réflexion, on s'est dit, ben, pourquoi pas devenir arbitre. Là, je suis là, moi, tu vois. Oui. Ok, je suis en train de parler à l'équipe pour encourager tout le monde à voir le match. Fazly Kotchabas sera donc le premier ex-joueur à bénéficier d'une formation sur mesure proposée par l'Union Belge de Football. Un apprentissage accéléré mais sans brûler les étapes pour autant. Je vais commencer avec les jeunes comme tout arbitre à commencer. Après, ce sera en fonction de mes performances à moi, si je suis apte ou pas à franchir les étapes. Ici, le projet est parti sur une idée d'essayer de les faire arriver en 3 ans aux portes du foot pro. Donc, en gros, ça veut dire vous êtes à la fin de votre 3e année, vous termineriez en D1 amateur, prêt à franchir le pas vers la D1B. Ça, c'est le plan. Et puis, il va falloir voir si finalement sur le terrain ça fonctionne. On commence par exemple le terrain. Et puis, une fois que j'ai écouté le terrain, j'ai un quiz par rapport au terrain. J'ai 17 lois qu'il faudrait connaître. Et voilà, une fois que je connais les 17 lois, je dois revoir parce qu'il y a quand même beaucoup. Et une fois que je me sens prêt, ben, envoyer un mail à l'Union Belge pour dire que je peux passer l'examen. En parallèle à l'arbitrage, Fazly Kotchabas suit aussi des cours d'entraîneur. Il s'occupe actuellement des moins de 21 ans d'OHL, histoire de garder toutes ses portes ouvertes, à condition bien sûr qu'elles soient à proximité immédiate du terrain.